Bonjour à tous, dans cette vidéo, les garçons et moi avons décidé d'organiser Fortnite dans la vie réelle et avons spécifiquement cloué cette putain de maison avec un territoire super grand. Voilà, ainsi, l'endroit où se déroulera le jeu sera super grand. Partout sur ce territoire, y compris dans la maison, il y a du butin éparpillé partout. Allons dans une poêle à frire que vous pouvez simplement combattre comme ceci et un bazooka qui peut détruire un joueur d'un seul coup. Tout cela a été dispersé par les membres de notre équipe qui sont d'ailleurs ici. Ils sont les seuls à savoir où se trouve tout. Ils ont également dispersé des munitions et des bonus sous forme de vie supplémentaire sur tout le territoire. Et comme vous avez déjà remarqué, des ballons sont suspendus au-dessus de nous. Chacun a 3 ballons, ce sont nos vies. Si au cours du jeu, vous heurtez une branche et que votre ballon éclate, cela signifie moins une vie. Si vous vous faites tirer dessus, c'est aussi moins une vie. Et quand vous n'avez plus de ballon, vous êtes hors du jeu, c'est fini, vous êtes mort. Le plus difficile aujourd'hui repose sur le caméraman. De folie! Oui, ils sont deux aujourd'hui. Les gars, allez, hop! Cette vidéo dépend entièrement d'eux aujourd'hui. Ils doivent garder un œil sur nous, tout enlever avec précaution, ne pas interférer, ne pas filmer les joueurs. En même temps, ils doivent s'assurer que chacun d'entre nous met une caméra pour que tout se passe bien, quoi en gros. Aujourd'hui, ils créent l'ensemble de la vidéo. Ils vont devoir travailler dur aujourd'hui, et j'espère vraiment que vous apprécierez le travail de nos opérateurs, parce qu'il n'est, c'est maintenant que pour vous. Voyons combien de likes il y a sous cette vidéo, c'est-à-dire à quel point vous appréciez le travail de nos gars. Je pense que les règles sont claires pour tout le monde. En fait, il y a des règles, il suffit d'éclater les ballons. Le plus intéressant, c'est que nous partirons d'un seul point, parce que nous commençons à nous entasser ici, paniqués par la bataille pour les ballons. Les garçons, nous couvrirons les yeux et nous répartirons uniformément sur le territoire. Quelqu'un sera jeté dans la rue, quelqu'un sera jeté en dehors du territoire général, quelqu'un sera placé dans la maison. Bref, ce sera super intéressant. Super, merci. Il fait froid ici, dans Fortnite, ou Pabaji, ou Fortnite. Allez, on y va. Ciao. Allez. Super, vraiment t'es génial. Tourne-toi. J'ai laissé mes sourcils. Je vais te guider. Il y a une marche ici, une autre. Rendre ici. Alors reste là. Oui, attends, va pas trop vite. J'ai peur, va pas trop vite, je te dis. C'est ça, vas-y. Mais je peux pas, je te dis, j'ai peur. Tu peux tomber juste là. La marche la plus moite de toute ma vie. Oh. Oui, allons-y. Ça va bien ? Attention, il y a un escalier. On dirait qu'ils m'ont emmené dans un endroit super. C'est bon, combattant. Bonne chance. Super. T'es prêt ? Nous devons faire quelques tours ici. Ah, sinon, rien n'est clair. Attention, fais un pas. Prends soin de mes ballons. Des ballons ? Assieds-toi. Hop là. Bon, j'ai compris, on m'a mis dehors. Ah, j'ai fait de l'épilation à la cire. Alors les gars, je suis au deuxième étage et c'est très 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 bien. Ouais, je vois déjà Maxuta, regarde. Il est là, il a été expulsé du territoire, cool, pas mal, pas mal. Bon, je ne sais donc pas où sont les garçons. En fait, j'ai la possibilité d'aller au garage en passant par la porte, mais je doute que quelqu'un soit déjà assis dans le couloir. Il est très probable qu'il soit quelque part très loin. Il faut aller prudemment au garage et essayer d'y chercher du butin. Je viens d'enlever le bandeau et la première chose que j'ai vue, c'est ça. Il faudrait être un idiot pour ne pas remarquer une telle arme sous vos pieds. Eh ben, il n'y a pas de balles d'ici. Peut-être qu'elles étaient cachées quelque part sur le canapé. Non, il n'y a que des ordures ici. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la poubelle ici. Il n'y a pas de balles, mais... Il me semble que c'est la bonne chose à faire. Oh, Mastrus ! Alors, je suis pas allé bien loin. 2 cartouches à la fois. Une poêle à frire. Est-ce que tu penses que ça va ? Bon, on n'a pas de partie si difficile. Mais avec ça, il me semble qu'on peut déjà rentrer dans la maison en toute sécurité. Le pistolet n'est pas le meilleur, mais il y a 3 cartouches ici, c'est déjà ça. Génial, des munitions. Où vais-je les mettre? Je vais les lancer ou quoi? Et si je suis pas en seul au deuxième étage, ça va être un fiasco, Nikita. Ouais, où pourrait-il les cacher? Oh, super de la bombe! Une petite cartouche,
Donc, ces cartouches doivent être mises dans la poche, on les charge avec ça. Hop, 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 ça c'est bon. J'ai tiré beaucoup de nerfs dans ma vie, et je peux dire par exemple qu'il est assez difficile de toucher certains objets à longue distance, quoi. C'est, vous savez, la même chose qu'avec le bouton s'abonner. Il brûle sous le galet, le curseur de la souris se promène à proximité, mais vous ne pouvez en aucun cas l'atteindre. Mais si vous vous concentrez bien, si vous visez bien, vous pouvez arriver n'importe où. Voici un essai, on va voir si vous êtes précis. Je pense qu'il vous sera pas difficile de cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Utilisez le doigt ou le curseur de la souris, bam, vous avez cliqué, c'est très simple, n'hésitez pas à essayer. Bon d'accord, je vais voir s'il y a quelqu'un au deuxième étage. C'est parti, et on va pouvoir lui tirer sur la gueule. Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre qui traîne là. Ah, c'est les balles ça. Mais elles ne viennent pas de mon arme. Alors. Oh oh oh, génial. Bon sang. Alors, ces cartouches conviendront aussi au pistolet. Donc, retour au distributeur automatique. Oh oh, mon dieu, les gars, attention. Oh, j'ai besoin de ça, moi. Bon. Bon. Oh, voilà, c'est tout. Il y en a encore? Bon. On va le faire comme ça. Bon, je pense que je vais gagner aujourd'hui. Encore des balles. Ok, j'entendais pas. Oh mon dieu, Russe, tu m'as fait peur. Sécurité. Merci. C'est un jeu dangereux. Alors les gars, je suis dans une chambre en ce moment et il me semble qu'il faut regarder dans les tables de chevet. Parce que les gars pourraient facilement y cacher quelque chose. Bon, connaissons les gars, de toute façon, ils ont mis quelque chose. Allez, jetons un coup d'œil, donc l'arme est hors de portée, l'essentiel c'est que si quelque chose se passe, il sera... Oh, c'est vide, c'est vide. Et voilà, ça y est, les cartouches, vide. On enlève les cartouches, on prend le fusil, on y va, c'est parti. Avec précaution, bon sang, il faut faire tellement de bruit, attention. Il vous suffit d'écouter cette puissance. Mais quand même, les pistolets sont... genre, plus esthétiques. Alors, où est-ce que je me cache? Soit je monte en haut, soit je reste ici. Je sais pas, j'ai peur, Nikita. Donc, est-ce que je monte ou je reste ici? Wouah! C'est ma famille, vous êtes, c'est mon fusil à moi! Pour le fusil, je vais le mettre ici pour qu'il soit pas toujours accessible. Putain, je me chie dessus. Russe, t'es con ou quoi? La sécurité avant tout. Oh, en fait, il est vraiment possible de s'abîmer les yeux. Merci beaucoup. Pourquoi ne pas les avoir à donner en avance? Ouf, ça y est, vous pouvez vous détendre un petit peu. Merde, j'espère qu'il y a personne ici. Oh, tu ne comprends pas, nous avons eu tellement d'armes. Oh, savez-vous ce que c'est? C'est la vie! C'est une vie supplémentaire! Mais pour l'utiliser, il faut descendre au garage pour trouver le ballon d'hélium. Écoutez, j'ai fait de bonnes trouvailles, vraiment. Ça, c'est de la bombe, je vais avec ça, je vais péter la baraque. Bon, je viens d'entendre quelqu'un faire du bruit en bas, donc ce n'est pas vraiment une option d'y aller maintenant. Je vais donc essayer d'occuper l'étage supérieur. J'espère qu'il y a personne. On recharge, nous devons nous venger tout de suite. Vous avez entendu ça? J'ai peur. Je vais me cacher. Oh merde! Merde, j'ai eu une seule cartouche. Je ne suis pas le bienvenu dans cette maison. Je dois partir. Je vais charger des munitions dans le garage, ensuite je ferai le tour de la maison. J'ai tiré sur Max, moi une vie. Cette adrénaline est juste folle, les gars, je vous jure. Alors les gars, ça va? L'arme est prête, j'ai mes lunettes avec moi, il y a aussi une casserole. Ok, allons à l'intérieur. C'est super froid de rester dehors ici. Personne ici. Il y a trois cartouches. Peut-être qu'il y a autre chose ici.
Alors, je répare ce truc. Écoute, je suis comme Gilbert. Hein. Je vais commencer là. J'ai 2-3 cartouches. Attends. Comment le charger? Je ne sais pas comment le charger. Je vais le laisser ici pour l'instant. Super. Ils m'ont pris la GoPro, mais ils m'ont donné un opérateur qui est super bien. Hoppa. Super. Pas de munitions. Mais j'en ai. Chargeons-les tout de suite. Allez hop, comme ça c'est bon. Un petit coup unique. Ça c'est mauvais pour sa gueule. Hop, on va les mettre ici. Voilà, c'est bon. Si vous avez besoin d'aide, tenez-vous prêts. J'espère vraiment que les gars que la vidéo sera vraiment intéressante. Parce que l'expérience est plutôt cool. Parfois j'oublie de tourner. J'oublie tout parce que je veux jouer à fond quoi. Je suis un malade. Hoppa, voilà, attention, hoppa, regardez les cartouches. Allez, y'a rien là, je crois que j'ai déjà pris toutes les balles, mais j'ai un fusil de chasse, bon sang, et un pistolet. Allez, on va voir dans l'autre pièce. Bon, regardez quel type d'arme est disponible ici. C'est un revolver. Sa principale caractéristique est que si vous l'avez chargé à un plein ici, alors vous n'avez pas besoin de faire des manipulations pour tirer, il suffit d'appuyer et de tirer. Et vous pouvez le faire plusieurs fois. Maintenant, je dois charger toutes les balles et ouvrir ces portes pour pouvoir faire le tour de la maison en toute sécurité. Alors, les gars, cool. Pour l'instant, on dirait que tout est calme ici. Je pense qu'ils ont entendu que je filmais ici. Ils auront peur de monter, c'est sûr. Vous pouvez donc explorer les pièces. Allez, on y va. Non, non, y a rien. Oh là, c'est quoi tous les deux? Plus de cartouches ici. Il n'y a jamais trop de cartouches. Reste à trouver des armes. Oh! Là, par contre, si la fenêtre elle s'ouvre, ce serait super cool. Écoutez, on va fermer la porte, je crois que j'ai peur. On va pas fermer à fond parce que ça va être super suspect après. Si quelqu'un tire, je l'entends tout de suite, bam. Oh, un sniper. Nikita, sors en fait. Sors, on te voit très bien. Tu me trahis. Allez, j'espère que les garçons ne regarderont pas en l'air parce qu'il y a une superposition ici. Donc je vais probablement entrer ici avec précaution maintenant. Hop. Voilà, c'est le pouvoir. Ouais, j'ai pas économisé pour rien. Pensez-y, j'ai un sniper. Avec des cartouches en plus. Donc là, à cause de ces pièces, on ne peut pas charger que des cartouches. Je vais tirer dans l'oreiller. Oh, c'est un peu faible quand même. Oh, on va essayer les cartouches blanches. Elles sont peut-être plus puissantes. Ouah, c'est déjà plus sérieux. Bref, puisque j'ai trouvé un sniper, la tactique est la suivante. Je regarderai ici, voilà, comme ça. Et si quelqu'un arrive dans le coin là, je regarderai et je tirerai. Bon sang. Il n'y a pas de passage ici. Et si je me promène comme ça, il y a des chances que je rencontre quelqu'un. Il y a peut-être un moyen de passer ici. Malheureusement, non. Bon, nous devons maintenant faire le tour de la maison avec précaution pour que personne ne me surprenne. Quand un des ballons a explosé, j'ai compris que je devais faire très attention. Bon, pour que je ne me fasse pas attraper sur le balcon, on m'a donné une caméra comme celle-ci, là. Vous allez maintenant tout voir à la première personne et l'opérateur va me le filmer comme ça. Uniquement de côté, regardez pas dehors, s'il vous plaît. J'ai peur qu'on se fasse causer à cause de vous. Très bien, là, c'est là. Des mouvements. J'entends des mouvements. Silence. Attention. Je vais m'asseoir quelque part pour l'instant ou je vais chercher des choses. Vite. Tout semble s'être calmé là-bas. Il est temps de monter en haut. J'y vais. Donc l'essentiel est de ne pas se précipiter. Très flippant. Quelqu'un arrive. J'entendais pas. Je crois que quelqu'un arrive. J'ai une arme, je vais tirer. Et moi, je vais pas le faire, tu penses?
idiot. Je vois des ballons jaunes. C'est Roma. Oh mon dieu, ça fait peur. Je t'ai eu. Je tire. T'as entendu? Le canon s'est cassé. Ah. Toi, c'est quoi ce bordel, hein? Ah. Sors d'ici. Je t'ai eu. Oh non, j'ai raté. Ah. C'est le bordel, les gars. Je pars d'ici. J'arrive. Eh bien, reste ici, Vania. Je ne veux pas gaspiller mes vies. Alors, Roma a couru dans la rue, je vais monter, je vais regarder par les fenêtres où est-ce qu'il est. Il y a une fusillade. Le caméraman m'a mis une caméra ici. Des prises de vue juteuses pour vous. Comme c'est glissant ici. Hop, oh, y'a Maxout. Allez, bon sang, pourquoi les ballons vont dans la mauvaise direction? Qu'est-ce que c'est ce tir de merde? Maxout, j'ai un pistolet normal, moi! Oh putain! C'est bon? Il est parti? Maintenant, tu vas danser avec moi, Maxout. Il n'avait que deux cartouches. Idiot! Il est là, mec! Il est là! Maxout, où es-tu? Eh bien, sors de là. J'ai un peu peur. Sors. Le voilà. Quoi? Je l'ai eu, les mecs. Quel idiot, hein? On le bloque. Magnifique. Non, eh bien, vous avez vu ce qu'il a fait? Dans haut, bon sang. Beau boulot, maintenant j'y vais. Merde. Beau. Maxime se cache juste là. Ah, ça c'est bon. Les cartouches sont disponibles. Maintenant, je vais les faire péter sa gueule. Mec, recharge rapidement, vite. Allez, viens ici. Je vais t'accueillir chaleureusement. Max en vaut la peine. Regarde. Je ne comprends pas du tout où il est. Non, 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 non. Bon, c'est clair que c'était pas là. Bon, il est soit dans la maison, soit derrière la maison. J'ai eu! Merde! Moins deux! Wouhou! Un ballon vient d'éclater! Quelqu'un a été touché! Donc Max a une vie. Hoppa! La fusillade a commencé! Sors! Abruti! Maintenant je vais vous donner la vipère. Bon, je vais toucher un ballon. Justin, Justin! Ouais, c'est fini, on s'en va. En résumé, les gars, la tactique est la suivante. J'attends Roma, il me semble qu'il devait sortir maintenant. Il est peu probable que Maxou y aille, mais Roma ou Vania? Vania peut sortir aussi. Vania ne sait pas que je suis ici. Il saura pas que je suis là. Je vais regarder attentivement pour ne pas faire trembler le beau côté là. Je vais juste sortir et là, je vais commencer à attendre. Merci infiniment, Russe, de l'avoir caché dans un endroit si sûr. Je ne serais jamais venu ici si on ne m'avait pas tiré dessus. Maintenant, il faut que j'atteigne la bouteille d'hélium pour rattraper une vie. Je crois que quelqu'un, j'entends marcher dans la neige. Pour que vous compreniez bien, j'entends clairement quelqu'un marcher dans la neige là-bas. Et pour une raison que j'ignore, je suis sûr qu'il s'agit de Max. J'ai vu quelqu'un. Je sens parfaitement ce qui se passe et il me semble que c'est Max Shota. J'arrive pas à bien comprendre. Il me semble qu'il y a quelqu'un au niveau du barbecue. Parce qu'au départ, est-ce qu'il y avait quelqu'un là-bas ou pas? J'ai tiré sur Andrei. J'ai failli mourir de peur. J'ai entendu une sorte d'explosion. Oh, j'ai touché Andrei. Où il est celui-là?
Vengeance, vengeance, la vengeance, la vengeance. Quelqu'un est tout près. J'ai eu André. Oh mon Dieu. Ah. Oh non. Ah. Je n'ai plus de balles. J'ai pas chargé. Je vais charger. Ah. Ah. Prêt. Oh non. Merde. Oh mon Dieu. J'ai perdu ma mitraillette. Viens là, ma petite chérie. Oh, c'est qui? Oh, non. Oh mon Dieu, j'ai eu très peur. Oh, c'est qui? Mais qu'est-ce que c'était que ça, Nikita, bon sang? Ouais. Mais je me suis tiré dessus aussi ou quoi? Mais oui. Oh merde, je suis débile, je suis trop con. Il me reste un ballon. Oh, mais j'ai encore une vie. Nikita, je dois descendre prudemment au garage. D'accord. Oh non, il me reste plus qu'un seul ballon. J'ai un autre pistolet, moi. Le voilà. Je t'ai eu. T'as raté. T'es nul, toi. J'y crois pas. Ah. Où est ton ballon? Bah, il est caché. Ah. Oui. Romain est sorti. Moi, j'y vais. Hé, hey, trou de cul, putain! Pourquoi moi, Vania? Cette espèce de chargeur débile! Il aurait tellement mieux d'être... Il n'y a pas de balle ici. Bref, les gars qui m'ont encouragé, je suis vraiment désolé. Malheureusement, j'ai été mis hors du jeu. Les gars vont donc continuer sans moi. Quel dommage. Alors, j'ai entendu que quelque chose a claqué d'en haut, et maintenant, les garçons, il y a une sorte de bagarre dans la cuisine ici. Il faut qu'on aille prudemment derrière la maison maintenant. Je pense que c'est le moment idéal pour rattraper une vie. Ouf, je viens à peine de tuer Roma, mais il me reste plus qu'un seul ballon. Mais si vous vous souvenez, j'ai une vie. Ils vont gonfler un nouveau ballon pour moi dans le garage. La victoire du dernier. Rose, j'ai besoin d'aide. Le ballon, gonfle pour moi. Oh non! Ne t'approche pas, Maxuta, je vais te tirer dessus. Ah! Ah! Yes! Passe-moi le ballon! C'est tout, je suis vraiment sorti. Maxuta est sorti. Ouais, pas de chance, je ne pensais pas que Vania serait là. Ouh. Mais mon plan était pas mal. Vano? Oui? Gagne aujourd'hui. Pas mal. Merci. Tu t'es débarrassé de moi. Même moi, j'ai eu très très peur, si être honnête. En fait, je pensais qu'il y avait personne ici. Vous vous battiez avec Roma là-bas. Je me suis débarrassé de Rome, de toi. Je ne pense pas que j'ai touché quelqu'un. C'est moi qui ai le loser. J'ai blessé André au troisième étage, mais je n'ai fait éclater qu'un seul de ses ballons. Peut-être qu'il en lui reste deux. Je vais aller le chercher maintenant. Bon, ben moi alors, je vais me déconnecter de ce serveur. Comme je me suis débarrassé de Maxout et Roma, il ne reste plus qu'un seul André. De toute façon, il est quelque part dans la maison maintenant. Alors je vais contrôler la rue, et s'il sort, je la battrai. Je n'arrive pas à savoir où tout le monde se trouve. J'ai entendu dire qu'il y avait abattu Maxout. J'ai cru qu'il y avait une sorte de petite confusion avec Roma, mais je sais pas qui est resté. Vite, allez, je descends. On va en bas. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, le drop. Les balles? Génial. C'est la bonne chose à faire. Je vais prendre des munitions. Ça, c'est la puissance de feu. Je viens de voir Vania. Vania dans la rue. Je crois qu'il m'a vu. Vania arrive. Attention.
Je veux dire, pas y voir personne ici. Donc. En bref, pendant que Vania s'amuse dans la rue, j'ai un plan génial. Je vais la tirer ici, juste ici. Je vais enlever mon ballon et le mettre dans le sauna. Imagine le leurre que ce sera. Et je me cacherai ici, juste là. Il va descendre, il sait que j'ai un ballon, et il va venir jusque là. Je tirerai tout de suite sur lui, depuis le coin, avec l'un d'entre eux, et je ferai immédiatement exploser le second. L'essentiel étant d'y arriver. On va voir. Si j'y arrive, je gagnerai tout. J'entraînerai tout le monde dans le truc. Je ne sais pas s'il tombera dans le panneau, mais parce qu'il ne tombe pas dans le panneau, quelle idée stupide. Mais il me semble... Je pense que c'est dans un film. Je ne sais pas à quel point ce sera cool, mais c'est très délicat, d'accord ? Le verre me protégera. Bref, regarde, il va falloir que vous partiez maintenant parce que je vais tout de suite me faire choper à cause de toi, d'accord ? Bon, mets la caméra là-bas, on va te mettre quelque part là-bas, avec une serviette, ok ? Comme ça, maintenant, regarde si je me lève et que je me cache. Très bien. Super, c'est ça, pose la caméra et sors maintenant. Sinon, il va nous attraper. André s'est enfui. Je sais pas où, en bas ou en haut, mais avant cela, André était toujours en haut. Peut-être que maintenant, il est descendu. Je vais aller le chercher là-bas. J'ai vu le ballon d'André, mais lui, je ne l'ai pas vu. C'est la fin la plus stupide qui soit. En bref, je voulais me cacher avec efficacité, c'était pas mal. Ça, c'était efficace. Comment t'as su que j'étais ici ? J'ai commencé à descendre, j'ai pas compris où est-ce que t'étais. J'ai vu ton ballon, j'ai pensé que tu te cachais quelque part. J'ai commencé à chercher, j'ai regardé ici, j'ai regardé là, dans les toilettes. J'ai complètement oublié la douche. Le plan était bon, je voulais me cacher juste ici, alors je l'ai fait. J'ai été troublé lorsque des lumières se sont éteintes. J'ai compris que quelqu'un venait, mais j'étais pas sûr. Nikita est tombé dessus par hasard. Sérieusement ? Oui. Oui. Oh, idiot. Eh bien, les gars, on a une super vidéo. J'ai bien commencé, je trouve. J'ai frappé Maxuta dans les escaliers, puis Maxuta dans la rue, et Roma, et c'est tout. Et après cela, Vania m'a frappé, et les conneries ont commencé. Comme d'habitude, quoi. J'étais très contrarié, bien sûr, parce qu'il y avait une tactique en béton armé. Franchement, j'ai cru que c'était bon, là, pour une raison ou une autre. Je pensais qu'il ne s'enfuirait pas, je pensais qu'il se faufilerait, même si en principe c'est logique. Eh bien en bref, parce qu'en gros ce tour ne peut pas fonctionner partout, non, quoi. C'était génial, t'aurais pu me tuer. Eh bien, ce n'est pas une tactique géniale. Je suis un génie, enfin, je sais pas comment, je suis arrivé. Un, deux, et là je suis tout à fait bien. Je vois que tu me tires dessus, et je me dis, bon, c'est mort. Je vois que tu me touches et j'attrape l'arme, mais je rate quand même. Et là tu m'achèves. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Vania, aujourd'hui, il en a eu trois. Il a tué Roma. Il m'a tué et il t'a tué. Sérieusement ? Ouais. Est-ce que Vania a fait 3 en moins 3 aujourd'hui ? Vania a fait moins 3 personnes aujourd'hui. Eh bien les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère vraiment que ça a été intéressant. Parce que les gars, nos caméramans ont fait beaucoup d'efforts. Les monteurs, j'en suis sûr, ont également fait de gros efforts pour obtenir une vidéo de qualité supérieure. Quelque part, bien sûr, il y a eu des ratés. Quelque part, c'est difficile de voir quelque chose. Mais c'est notre première vidéo de ce genre. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir tout le monde !